faire une vraie compétition en s'amusant, passer une agréable journée en faisant plaisir à des amis, des clients, vos sponsors, vos employés, eh bien c'est ce que Marc Palette de Traject Contrôle Compétition de Vierzon a organisé ce week-end au karting de Salbris. Réunion de bons amis, histoire de faire une arsoule, comme je dis, juste pour le plaisir et bien s'amuser. Donc on a réuni une quinzaine d'équipages, à trois ou deux, enfin beaucoup d'équipages à trois. Et sans faire de l'équipe de pointe ou machin, un mélange un peu de tout, de différents niveaux. Donc ça a fait une course assez animée et c'est très très drôle. Et c'est super passé, 3 heures, je crois que tout le monde est ravi. Tout le monde en demande, on va essayer de remettre notre sortie d'ici quelques temps. Ça se passe comment alors ces petites journées récréatives comme ça? A priori ça se passe bien, c'est vraiment le but c'est de passer un moment convivial. Donc on les accueille, on les habille, il y a un briefing. Donc briefing sécurité, après on leur explique les règles du jeu, donc une petite séance d'essai et puis après une course d'endurance par équipe. On a eu fin mars donc une manche de championnat d'Europe. On avait 180 pilotes et une trentaine de nationalités. Et là, début octobre, on a la finale du championnat de France Eurotax. Alors qu'est-ce qu'il faut faire donc pour venir s'amuser comme ça pour une journée? Il faut contacter qui alors? C'est simple, soit vous téléphonez au circuit, ou alors vous allez sur notre site, ce solong-karting.com, et vous avez les plannings. Et donc en fonction donc, du planning, vous savez si vous pouvez venir ou pas donc en location. D'accord, vous disposez de combien de karting alors? Alors on a un parc de 120 cartes actuellement, avec différentes catégories, des cartes enfants, des 8 chevaux, des 13 chevaux et des kartings de temps. Donc il y en a pour tout le monde? Oui, donc il y en a vraiment pour tout le monde et on propose soit des stages de pilotage ou location, des forfaits journée, donc il y en a pour toute la famille. Vous êtes venu à encourager votre mari à cette journée magnifique ouais, de karting? Oui, mais bon, avec l'espoir que mon petit-fils vienne, donc voilà. Tout est réuni. Écoutez, on démarre, on met la première. Ouais. Allez, c'est parti. Au revoir. T'es venu comment encourager ta mère? Ouais. Et alors, elle se débrouille bien? Oui. C'est vrai? Oui, mais alors, il faut pas trop battre les temps. Alors, il faut pas trop à quoi? À battre les temps. Une course avec 7 relais et une durée de 3 heures, voilà ce qu'était à l'ordre de ce dimanche 23 mai sous un soleil estival, pour le plaisir de tous. Il est interdit de s'arrêter dans la bande de roulement, de rouler en dehors de la bande de roulement, d'enlever son casque avant d'être descendu du kart, d'arriver tout en dérapage. Tout ça entraînera un stop and go entre 30 secondes et 2 minutes. 3, 2, 1, et c'est parti! C'est parti pour 3 heures de course, avec le signal et Martin en bonne position. Ah, Martin, il y a un autre signal à démarrer. Pilote de le prendre à l'extérieur et à l'intérieur. Il garde la corde, donc théoriquement pas de soucis pour lui. Martin reprend la troisième et haute position. Alors ça se passe bien? Ouais, ça va. Satisfait? Ouais. C'est la première fois que tu fais du karting? Comme ça, ouais, j'en ai déjà fait une fois, mais c'était à l'intérieur et c'était en famille. Donc, c'est la première fois que j'en fais comme ça. Et... Alors, les sensations? Ouais, t'as de l'adrénaline et puis on est à fond dans le truc, on est dedans, on est concentré, ça passe vite en fait. Dites-moi, j'ai appris que vous n'avez pas le permis, c'est vrai? Oui, c'est vrai, 14 ans. Alors, vous êtes la plus jeune, je crois, sur le circuit aujourd'hui, ouais, c'est ça? Oui. Quel âge vous avez? 14 ans. Là, on est en tête. Mon collègue, il va bien réviser et tout ça, et du coup, il nous a fait la pole et tout, impeccable.
Tout va bien, si on continue sur ce rythme-là, on va gagner. On prend un peu d'assurance au fur et à mesure. Et ouais, sinon c'est. Enfin, moi je m'éclate. C'est bien, c'est sympa. Et alors vous faites équipe avec qui vous alors? Marc Palette. Vous êtes que deux sur le karting? Non, il y a aussi un ami, Christophe Mathieu. Vous espérez monter sur le podium ce soir? Aucune idée. Mais là je prends un relais, on va bien s'amuser. Benoît qui est derrière moi là vient de courir vachement bien. On recolle, mais malheureusement, on a une femme avec nous et ça, on n'aurait pas dû. Bon, c'est Philippe qui est reparti là. Oui. On va attendre qu'il revienne, alors. On va voir ses chronos. D'accord. On est dernier. Mais pas à cause de vous quand même. Pas que à cause de vous. Pas que à cause de moi. Bon, lui, il m'a avoué que lui aussi, c'était une des toutes premières fois qu'il en faisait, donc forcément, il avait un petit peu de mal aussi. De cette journée. Ah, c'est des super journées, ça. Notre début, nous voilà 16 ans. Ça fait 16 ans qu'on a démarré ensemble avec Patrick, mon coéquipier. Et aujourd'hui, ben, il y a une demi-heure, on était en tête. Et malheureusement, un tête-à-queue nous a relayé à la troisième place. Qui est-ce qui a fait le tête-à-queue alors? Ouais, c'est mon copain Patrick. Je n'en veux pas parce que il est plus jeune que moi, mais il vieillit plus vite. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse hein? Mais bon, on donne tout, il a encore de bonnes ressources. Hein, il n'est pas fini, comme on dit dans le jargon automobile. Hein. Mais quoi qu'il en soit, on est sur le podium actuellement. C'est comme avant, sauf que c'est un peu plus dur au niveau des os. Mais vraiment,
va bien. Quoi. C'est un peu la vieillesse qui est le problème. Ah, on prend ça pour une journée de détente. Une journée, ça nous permet de nous retrouver entre nous, de retrouver l'équipe du trajet de contrôle, tous les amis, tous nos partenaires à qui on a voulu justement faire plaisir avec, en les initiant, en leur permettant de rouler en carte et de retrouver un peu les mêmes sensations que nous on a sur les circuits. Ouais, j'ai commencé par du karting, donc en plus j'étais licencié ici, donc c'est vraiment la piste où je venais rouler et m'entraîner. Moi, ça me fait toujours plaisir de remonter dans un kart, et puis l'important c'est de s'amuser, on se double, on se redouble, c'est super marrant, et tu vois, on redescend du kart avec la banane, donc je pense que tout le monde est content et c'est super sympa. L'important c'est de rigoler et de jouer avec tout le monde, et c'est ça le plus marrant finalement, c'est pas d'être devant tout seul en roulant, voilà, c'est ça qui est sympa. En fait, ça a pour but de regrouper pas mal de copains, des connaissances, tout ça, pour passer une bonne après-midi, rigoler tous ensemble. Puis bon, comme mon père partait d'eux, j'ai pris le départ aussi, et puis effectivement, on a rigolé, on s'est tiré un peu la bourre, quoi, c'est normal, ça fait partie du jeu. Passé, il n'y a pas eu de casse. Non, ça a été impeccable. Ils ont été gentils. Bien. On fait le plein de tous les kartings. Oui, à chaque fin de course, on fait les pleins comme d'habitude. D'accord, parfait.